Chers frères République de Maurice, n'importe quoi où était, n'importe qui aux couleurs, n'importe qui aux religions, saluez où. Zodi n'arrive l'air pour présenter l'équipe ULD. Une partie de l'équipe ULD. Vous connaissez beaucoup de Mauriciens qui quittent la terre Maurice. Nous pas gagner nos sens dans l'Europe, nous travaillons bien, nous gagnons nos sens. Et dans beaucoup, quand on finit gagner notre sens, on finit établi, on gagne un salaire extérieur, on finit adapté, pas facile pour les autres. Quand nous avons l'envie de venir Maurice pour servir notre République, mais notre STM, nous avons un membre comme ça, qui même si on reste extérieur, on peut donner nous notre soutien. Et dans ULD, dans nous l'équipe, nous avons beaucoup d'hommes et dames braves. Ils ont dit nous présentent une partie dans notre team. C'est un monde brave qui est d'accord pour faire ce sacrifice-là, pour oublier quitte le salaire, quitte le confort qu'ils ont été dans le pays qu'ils ont été. Donc, Vin Maurice, qui fait pour Vin et nous. Nous tous connaissons que le pays n'a pas fonctionné comme un bizarre, il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, nous ne pouvons pas venir pour la guerre personne. Nous pouvons venir comme un consultant, nous pouvons venir pour apporter nos soutiens. Aide pays pour aider où, pour effacer la misère, pour apporter un développement durable. On vous passe la parole à nos vice-présidents. Vice-président, il a une grand, beaucoup de carrière, il a son carrière de la force policière Maurice. Et après, il est au Canada, il fait beaucoup d'efforts, il réussit à faire un examen, il est arrivé, il y a un shérif du Canada, il est responsable de la sécurité. Et son mission pour Maurice, c'est pour nettoyer ce pays-là. Pour venir mettre un load, pour donner sécurité, pour donner l'épée en sécurité. Bon, passe la parole à nos camarades Sandy. Merci, merci Siram, merci toute l'équipe. Je saisis l'occasion aussi pour remercier vous, as a leader, parce que pour regrouper tous ces camarades-là dans quatre coins du monde, il n'est pas impossible, mais il est difficile pour faire une coordination, une l'air, une time zone, et que ça connaît dans sa responsabilité. Au fin, montrez-nous un peu comment un leader fonctionne. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dit, nous avons sa plateforme là, malgré nous différents layers, malgré nous différentes places, nous tuons un seul objectif, parce qu'ils nous mettent une conviction, nous montrent une détermination. Qui ou là, on vient amener un changement d'un pays. Comment on se dit à chacun qu'on doit être ce pays, mais pas tout le monde qui envie de faire des efforts pour être ce pays. Comment on donne moi la tâche pour la sécurité d'une cause beaucoup là, nous finissons accepter ou off, et nous finissons cause beaucoup là. C'est l'objectif principal, nous faisons comprendre un pays qui dépend de nos sécurités. Ça, c'est la base des choses. Ou quand il y a l'eau, ou quand il y a le pétrole, si vous avez la sécurité dans le pays, si le law enforcement, comme les forces des lois, la justice criminelle, qui ne fonctionne pas normal, jamais le pays n'a pas arrivé. Là, c'est un nouveau système que vous avez trouvé. Sécurité est l'aspect important dans l'économie. Par exemple, investissez avant de venir, vous guettez qualité pays. Si le pays n'a pas fonctionné bien, et n'a pas qualité la loi, il n'est pas pour venir investir. Il est important de contribuer à l'économie. Mais pour moi, je beaucoup de là, je élabore un ou deux, trois points qui travail principal qui ULDM est capable de faire. Pour nous commencer par le système de la police même, penser jusqu'à ce uniforme, ce structure, ce bonne fonction, bonne l'équipement de la police se valer. D'ailleurs, on a beaucoup de requests avec mon ancien collègue. Mais je ne suis pas capable de voir ça, je suis pas doléance, parce que ça compte du travail.
Mais nous dans l'équipe, là, nous avons un bon changement. Bon changement qui peut mettre le public en sécurité, faire un feel safe. Et nous saisissons l'occasion aussi pour dire que nous avons un approval avec le pays qui nous disposait pour aider nous, côté formation, côté l'équipement, et for free of charge, gratuitement. Ça, c'est un aspect qui nous est capable de concentrer parce que le public a besoin d'un trust dans la police. Le public a besoin de la confiance. Un monde a besoin de la confiance qui est capable de rapporter un crime. Et à ce stade, une autre affaire qui nous a causé un peu le restorative justice, c'est une victime de une violence. Un monde a besoin pas un père pour rapporter un crime. Un monde qui est victime d'un crime, par exemple, un monde qui est d'un viol ou un monde qui n'arrive pas à problème, il ne faut pas père. Quand il y a la frayeur, ça amène beaucoup de destruction pour un pays. Après, troisième affaire, deuxième affaire, nous avons causé ce que j'appelle la défense. Comment défense c'est important? Quand on est à Stella, Zodizou, n'est plus une bombe, roquette, ça m'a un système-là. Stella, nous avons un virus, un chimique, un système biologique pour attaquer un pays. Mais c'est ça, nous besoin. Renforcer le système de défense. Et surtout, ça me connaît dit dans le poste du Premier ministre qui fait ça. C'est les responsabilités d'un pays pour défendre ce peuple. Côté infrastructure, côté virus, côté sécurité d'un pays. Ça, un peu, nous prépare un blueprint. Comment parler de réforme, comment nous casser nos pays. Moi, nous allons mettre confiance dans la population. Et troisième affaire, c'est community policing. C'est que tout le monde nous travaille ensemble pour amener une solution. Que ce soit secteur privé, secteur public, la force policière, après ça aussi, cross-government, plusieurs ministères de gouvernement, je donne un coup de main. Nous travaillons ensemble. Il y a là que nous pouvons amener une solution de sa façon. C'est, en grosso modo, c'est un peu l'objectif. Qui m'ont préparé, comment nous capables de changement radical depuis dans la police, la judiciaire et ban victime de ban violence. C'est un peu ça. Oui, mais ça le dit, l'irrégrettable, souvent on trouve la police peinamment en public. C'est un grand travail qui vous vous adressez. Pardon, pour qu'il donne une base, de l'éducation, un training qui la police paye, non, pas pour causer qu'une victime, pas pour causer qu'une victime. Et nous pouvons élaborer ça plus tard. Donc, avant d'étymologie, là, juste pour Oui. répondre à la question, quand on peut dire ça, vous connaissez, la police, c'est une victime d'un système. Nous avons get both ways. Et non, le public ne respecte pas respecter la police parce que le système peut permettre de faire ça. Et la police, si, et non, un bon policier, comme on a dit, 100%, Bon, bon policier, d'accord. l'esprit propre de ton envie de travail. Mais je te la mets en barreaux. Parce que c'est le système même qui fait que ça fonctionne comme ça. C'est tant qu'il nous gagne la police pour contrôler par le système politique. C'est politique qui vous décide. C'est là qui vous met commissaire. C'est politique qui vous décide code bizarre mettre la force. Du pas pour fonctionner. D'ailleurs, dans le blueprint là, nous avons un système que nous pouvons faire la police indépendante, comme un grand pays. Comme au Canada, comme en Angleterre, comme un grand pays, il est là pour fonctionner normal. En ce qui concerne formation, d'ailleurs, comme on dit, il y a un pays qui finit de nous approuver, de nous coup de main, en formation, en termes de recherche, en termes de technologie, en termes de community policing, pour nous travailler. Nous, once nous gagnons la population, croit et la trust, la confiance de la police, et la police aussi, Pardon. aujourd'hui, nous avons trouvé la police qui travaille, qui est en uniforme, qui s'entraîne quand soin en chemise. Nous avons donné l'équipement. L'équipement, formation, il y a là ici pour une valeur, nous donner un bon lapé, il n'est pas pour encourager pour faire corruption. Comment la police travaille on dit aux autres, mais jamais je te rémunérerai. Quand une caisse peut gagner 3 heures, il connaît fini 3 heures et demie. Ce système pas pareil. Nous avons payé overtime, mais il y a beaucoup de structures qui nous ont changé.
Oui, dans les autres après, domaines. dans nos gouvernements, Sandy, nous pas pour servir, nous pas pour d'accord servir la police pour la sélection, pour ses enfants ministres. C'est là bizarre arrêter ça. Nous donne la police son valeur, tout le temps nous finissons dire ça et nous besoin de travail l'autre. Oui, exactement. Nous avons un plan là, comme on dit ça, executive protection, ça veut dire Maurice nous dit les vipsous. Bien souvent, d'ailleurs, mon camarade, je t'en dans le supermarché, je t'en fais babysitter, mais ça vient dénigrer la force. Parce que ça dit, là, il traîne pour faire sécurité NVIP, par exemple. Et il y a des affaires qui m'ont ajouté là-dedans. Il y a un système qui n'a pas fonctionné dans Maurice. Une politique qui est venue. Ça veut dire, via ce qui fait God Cola en lui, il peut du gouvernement y aller. Il peut finir montrer un des partis. Oui, Donc, oui. rencontre dans d'autres pays, ça dit maintenant, il traîne des spécialistes pour provide sécurité pour un VIP, pour un ministre. Ministre aller, ce travail rester. Il Exact. parle de différence. Parce qu'il est là, il peut travailler aux autres tout pareil. C'est ce système-là qui nous a changé. Il y en a beaucoup de choses qui nous a changé. Qui nous peut causer après. Bien sûr. OK, merci. Je vous remercie, vous, Sandy. Tout le monde peut dire nous l'économie dans baisse, moi-même, je viens de dire où, qui nous avons posé pour monter la paye, pour faire salaire minimum 25 000. Parce que nous présentons nos prochains camarades, nos camarades qui est comptable, l'expert comptable à Londres, et il a plusieurs talents, camarade Monchetti. Du monde bon vivant, il a une longue discussion sur l'économie, comment on va redresser l'économie, qui est capable de faire. Il connaît que ça va de l'argent là, il était comment capable tirer. Il est spécialiste aussi dans l'audit, il est spécialiste dans le travail, comment il peut faire. Plus tard, il m'a donné la parole. Mohamed, présente vous-même. Bonsoir. Bonsoir, Séram. Merci. Merci, Séram. Mes chers compatriotes, frères et sœurs, les deux Maurice, Rodrigue, Galega, Diego Garcia, bonsoir. Mon remis chez eux, plus de temps, je bégaye de nous. Ça fait moi un grand plaisir. Avant, mon cause avec eux, où tu prends vis, des speak eux, qui ferme une joint ULD. Depuis bien longtemps, m'intéresser à la politique. Mais maintenant, si je m'observe, tout bon parti, mais pas tout, aucun parti qui, comment dire, vous sentez sa body chemistry là. Qui fait ULD, quand vous pégez nous là, vous pégez, moi à Londres, Siram dans Danemark, et Sandy Lidon au Canada, Kevin dans l'Italie, nous vivons dans différents pays et nous on prend vie dans un bon pays là, nous on prend notre culture et nous connaissons ce qui est bon dans un pays là. Parce que si chacun parmi nous, nous prend ce qui est bon dans un pays là, nous mettons ensemble et nous apportons à Maurice. On pose la question, peuple de l'île Maurice, que vous pensez ça? Qui a été élevé ça pour faire le pays? Ça, c'est la raison qui fait moins besoin de ULD. Parce que ce qui fait. Nous tous, nous sommes dans un pays différent, culture différente, l'environnement différent, éthique de travail et tout. Et chacun, vraiment professionnel dans un domaine. Ah ouais, c'est ça la raison. Mon jeune ULD. Et après que mon écoute, ça me causé, moi, plus que convaincu qui m'ont fait le bon choix. Maintenant, je saisis l'occasion pour, au nom de ULD, me présente la population, à Maurice, qui est à Rodrigue, à Galega. Qui me paye des autres familles, nous présentons d'autres sympathies. Dans la période de COVID, là, de sa pandémie, là, nous présentons d'autres sympathies et nous pouvons prier pour nos pays et nous pouvons prier pour ce que c'est. Qui, bon Dieu, donne notre courage, faire face avec les difficultés qu'ils peuvent faire face en ce moment, les Maurice. C'est Ramine des autres, moi, un expert comptable. Mon expert comptable depuis 24 ans, mon travail dans beaucoup de secteurs, comptabilité, l'audit, internal audit, external audit. Business development, mon travail comme finance manager, mon travail comme finance manager d'un groupe. Mon travail, c'est
faire compagnie la progresser, amène l'argent dans la compagnie, faire profit. Bon, ça, c'est mon travail. Et avant mon procédé, mon comptant pose question. Moi, mon comptant fait réfléchir, mon pose une question. Okay. Il y en a trois basic human needs. Chaque humain a trois basic human needs dans la vie. Tu sais qui finit à l'école, quand on fait classe social studies, le connaît. C'est quoi? C'est food, a roof, manger, and la case et cleanse. Et ça fait ma pensée à un film qui m'a tigué quand j'étais enfant qui s'appelle Roti, Kapra, Or, Makan. Je ne connais pas qu'il y a dans le film, mais ça reste que le minimum qu'il y a un humain besoin et il y a dans la vie, c'est manger, un toit sur la tête, et une linge pour couvrir aller pour faire face à différents climats. Right. Le peuple m'a posé une question. Ou un père de famille dans la case, où la case, il fait prendre du fait, il est endommagé partiellement. Ou une autre fille qui peut marier dans 6 mois, ou une fille qui promet au garçon qu'il passe l'examen pour donner un iPhone, ou voisin, il demande où l'argent prêté, ou madame, il est là pour faire une opération. Et là, ou motocyclette peut carotter, et là, on a pour le travail, la motocyclette, une carotte. Et là, on a un rat filet dans la case. Et donc, contre la banque, on a 100 000 roupies. Moi, je pose la question, comme un père de famille. Laquelle vous pouvez être avant là? Qui nous fait? Comme un père de famille, nous laissons tous nos problèmes. Nous guettons laquelle qui est plus urgent. Donc, nous avons une priorité qui fait parce qu'il y a nos ressources, 200 000 roupies, il n'est pas libre. Nous avons accès à l'argent, nous avons accès à l'argent illimité. Vous ne pouvez pas compléter tout. Non, vous avez l'illimité. Vous faites prioritize. Sorry, vous n'avez pas prononcé en créole. Vous donnez la priorité des choses. Hein? Donc, moi, si demain, nous performons le gouvernement, et demain, vous avez la responsabilité de tenir le portefeuille. Mon promotion ou moi j'ai ta priorité. Moi j'ai ta priorité. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fait dans le pays. Mais mon promotion, trois priorités. En ordre numérique. Mon deuxième priorité. Eh oui, mon pas dire mon première priorité. Non. Mon deuxième priorité, c'est l'agriculture et la pêcherie. Comme quelqu'un qui prenait le portefeuille dans la main, pour concentrer le sa secteur là, pour supporter sa secteur là jusqu'au bout, qui fait roti. Roti, kaprop bakan. C'est manger. Nous avons la mer qui est plus grand que notre pays. Elle pose la question, mon cher frère. Comment un pays là, puis sur Taïwan, puis sur loin de l'autre côté, qui est de l'autre côté de loin de map? Le fait tout cela vient dans nous la mer et prend nous poissons qui dans notre pays. Qui fait nous pas capable de faire les nous. Nous prenons les astères, nous vannes les. Qui fait les autres qui sont capables de faire les nous. Ça, une question, mon demande. C'est ça, nous, pour donner beaucoup. Ça, mon deuxième priorité. Mohamed, comment vous venez dire? Ça, nous, pour priorité l'économie blé. Yes, mon poulet sur causé, c'est là. Oui, mon connaît. Mon assidement réfléchi. Mon troisième priorité, l'éducation, formation technique dans tout domaine et l'informatique. Je vous pose la question, qui fait? Qui fait pas notre affaire? Je vais même répondre, peuple de Maurice, ou un peuple intelligent, ou connaît que ça le monde a pu aller, ou connaît comment l'informatique est important et comment il est capable d'augmenter l'efficience dans les petits départements qui vont vivre. Ou imaginez-nous, frère et sœur, si nous tenons un système informatique dans nos pays, nos enfants partiront pour aller à l'école, ils sont capables de faire sur classe dans la classe, même pendant une période de pandémie. Et vous connaissez qui vient d'arriver pendant une période de pandémie, moi pour aller là, moi les sous-même, rien de réponse. OK, l'informatique.
pour moi, tout le temps, je dis, l'éducation, je considère l'éducation comme racine un pied. Il y a un pied, la fouche dans un compagnie. Un simple cyclone venu, il n'en bas. Qui fait sa racine, qui n'est pas ancré dans la terre. Pour moi, la racine, c'est l'éducation. Et moller le peuple, un bien peuple éduqué. Ok, je connais beaucoup pour dire l'éducation, c'est quoi? Mais l'éducation pour faire face le monde. Pour capable vin marketable around the world. Nous avons l'éducation, si on a l'éducation, si on a l'éducation, nous ne réussissons pas à tracer. C'est l'éducation là, il fait nous vin marketable. Ok? Ça, mon priorité numéro 3. Maintenant, c'est quoi mon priorité numéro 1? On commence par numéro 2, on vit le numéro 3. C'est quoi? C'est la santé. Comme un gestionnaire de beaucoup de compagnies qui travaillent, mon gérer, si ou employé pas happy, ou employé peut-être bon la santé, il n'est pas venu travailler. Machine pas peut stacker pour lui-même. Aucun qui ne peut pas bouger tant qu'un humain pas mettre seul en mille. Si nous, peuple, n'a pas un bon système de la santé, comment il est capable? Dis-moi même, comment il est capable de fonctionner? Si vous êtes père de famille ou même un malade, comment vous pouvez pas guérir ou la famille? Comment vous pouvez pas prospérer dans la vie? Ou prospérer la vie ou la famille? Et finalement, ou prospérer le pays en entier. Donc, ça, mon premier priorité. Nous visons un peuple qui est sain du corps, sain d'esprit. Et moi, pour venir avec certains programmes pour créer cette qualité de société-là. Parce que, pour moi, il y a un devoir non seulement légal, parce qu'il y a un gouvernement qui a une élection, il n'y a pas de contrat avec le peuple, obligé à le peuple, ce business, mais il y a un devoir moral. Quand on a combien de Mauriciens parmi nous, le Facebook, fait demander l'argent pour opérer. Mais qui fait nous qui fait nous le ministère de la Santé? Qui fait nous ministère de la Santé pas capable qu'elle casse pour guérir le peuple? Et ça vraiment fait moi parfois énervé. Et ça fait moi chagrin. En passant, mon frère, je connais, moi, j'ai déjà travaillé au ministère de la Santé, moi-même, à l'île Maurice, dans les années 90-91. Et mon travail dans le ministère de l'Agriculture aussi. Right. Donc, ça, mon trois priorités. Mon quatrième priorité qui s'est définitivement mentionné avant. Mon priorité, là-bas, c'est le système, le fonctionnement de l'établissement lui-même. Mon pouvini, parce que quand on redresse tout ça là, là au point de performance, quand on fait développer pour l'agriculture, fisheries, l'ange en là pour venir. Quand on fait éduquer les peuples, l'ange en là pour venir lui-même. Du moins, pour performer. Mais si tu me l'appelles à la formation là, ou pas donner sa habilité là, sa opportunité là, pour donner une formation, la sixième liguité n'est pas capable de faire. Là, qui vous trouvez? Ben, les autres audio viennent faire les pour. Qui a sixième liguité continue de faire? Bon, mon papou, cause plus, il y a 3 minutes pour me causer, je pense que c'est 3 minutes finales, il y a encore quelque chose, je ne suis pas capable de causer. Mais. Mais Mohamed, tu poses une question. Mohamed, tu poses une question. Qui m'a peut trouver, nous capables, il y a beaucoup de monde qui peut dire qu'il n'y a pas besoin de lockdown, il n'y a pas besoin de mettre le lockdown. Qui vous pensez, en tant qu'il y a un économe, en tant qu'il y a du monde qui comprend comment fonctionne l'économie, qui vous capable, qui m'a trouvé ça où? Il y a mettre le lockdown. Une très jolie question, une question bien tricky aussi. Ce n'est pas une question où donner oui et non. Tout pays qui ne fait mettre lockdown, il souffre économiquement. Nous ne sommes pas capables de ne pas souffrir économiquement. Mais, vous pouvez qu'on garde la balance. Pour moi, en ce moment, right, moi, je donne une proposition. Nous commençons par un semi-lockdown. Nous commençons à faire du monde. Nous devons réduire le contact du monde. Nous devons venir, nous mettre un post le mot passe Facebook avant. Right, tel que work from home. Donc, du monde qui m'a work from home, right, mettre différents chiffres de travail, faire la société là rouler ce qu'a dit à soi, s'il faut, pour maintenir le daily output. Right? Faire du monde faire shopping d'après l'ordre alphabétique. Je me dis, 3 semaines de cela, on peut trouver, doucement, doucement, certains n'avaient pas arrivé. Mais si ça n'a pas marché même,
vraiment ça pas marché là nous rendons l'état quand nous peine à choix nous la santé nous le peuple avant la cause même qui tout le temps meurt que mon dieu d'aller là mon priorité numéro un c'est la santé mon peuple c'est la vie mon peuple avant nous on va guetter comment on va faire on va couper on va trancher guetter coûte pour tirer à casse là parce qu'il y en a casse dans le pays là sorry c'est là pour mettre un lockdown vraiment il y a un moment pas capable de tenir oui. Moi, personnellement, moi, je l'ai trouvé, Maurice, quand il était, s'il met un lockdown, et il a pas un lourd de qualité. Donc, si capable d'éviter le lockdown, j'ai besoin d'éviter le lockdown. Parce que, right. En pays. Je suis d'accord avec vous, Siram. Je suis d'accord avec vous, vraiment, il faut se faire. D'ailleurs, il vient d'un lockdown, il vient de se faire. Beaucoup de monde vient de se faire. Mais le gouvernement, il a le droit moral et légal pour lui empêcher du monde mort. Et pour lui donner, continuer donner du monde là, habilité pour lui manger, boire. Parce que tu sais, banane, là, ils viennent prendre l'argent avec ça, les peuples, là, taxe. Ça. Ça, les papiers roulent ça, l'autre, là, les papiers roulent ça, le gouvernement, là, dans ce propre casse. Ils peuvent prendre casse public. Avec nous-mêmes, ils peuvent prendre. Là, on peut causer, là. Voilà. Now you're talking. OK. Non, non, c'est ça. Moi, je viens doucement, nous causer, mais seulement, arrive un moment où, je dis, écoute, enough is enough. Parce que l'on a parlé qui crée dans l'air, comme ça. Parlé, c'est nous casse, même, ils peuvent tirer avec nous. Ben, hé, tu arrêtes de tirer. Et qui te prend, tu commencerais tout, non. Parce que nous avons un deuxième lockdown. La vie est importante. Un deuxième lockdown pour Maurice, c'est difficile parce qu'il a un pays qui peut prêter Maurice l'argent, il a même des difficultés. Comment on prête l'argent? On était même dans la difficulté. C'est ça, il a un pays riche même. Bon, sans tarder, est-ce que nous passe. Bon, merci vous autres. Siram, tu as envie de nous faire. Oui, oui. Compatriote de l'île Maurice. Bon, je vais nous faire avec toute sincérité. Right. Je peux gagner un sens. Ça sent ça pas pour revenir en cours. Parce que vraiment, nous tous, nous disons, OK, nous donnons ça le peuple une chance. Right. Nous donnons tout le temps une donne chance. Right. Mais nous pouvons donner un sens. Et nous venons, nous ne pouvons pas. Eli, nous pour content, parce que nous essayons. Nous, Eli, bien bon. OK? Mais seulement, si nous pas Eli, nous pas vous retourner, parce que nous sommes déjà à l'étranger. Nous tout là qu'il a, nous pouvons faire un sacrifice, nous pouvons faire des salles. Do it for the country. Fais-le pour le pays. Un coup de ça. OK? Et je souhaite que dans les jours à venir, vraiment, bon Dieu, bénis nous tous et vraiment diminuer sa COVID-là, parce que vraiment, en ce moment, me tracasser avec situation Maurice parce qu'on a trop beaucoup de famille, trop beaucoup de camarades à l'île Maurice. Merci, Siram. Et dans nos team, il y a une personne, un zen, qui a beaucoup d'idées. Un zen businessman, il a son propre entreprise et il fait beaucoup de travail de côté tourisme. Et en plus, un zen qui fait une combattant, et il habite en Italie. Et tout le temps, mon dieu, lui-même, il peut faire plus grand sacrifice quand il finit de nos teams. C'est laisse-nous, tant lui-même causer, nos camarades Kevin Bidessi. Kevin? Je remercie Mr. Siram. Et tous nos membres qui sont au plateau. Et je salue aussi nos banques auditeurs et banques compatriotes de l'île Maurice. Et comme M. Siram vient de dire, moi, un petit entrepreneur jeune qui m'a fait commencer, débuter en Italie, en tant qu'entrepreneur dans le domaine touristique avec plusieurs expériences dans plusieurs départements. L'hôtellerie en Europe. Mais si nous causons côté touristique, et si je demande moi, qui m'a pensé l'eau touristique l'île Maurice? Pour moi, personnellement, concernant le secteur touristique, il est bien important qui nous promouvoir. Nous avons une small, medium enterprise. Nous avons encourage nous avons jeunes de l'île Maurice. Côte, nous avons une compagnie locale qui peut enrichir.
Parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de compagnies qui viennent investir dans l'île Maurice, mais son revenu n'est pas resté à l'île Maurice. Définitivement, il bouge. Mon pays n'a rien contre ces grandes compagnies-là. Mais nous lui donnons l'occasion, nous, les jeunes aussi. Nous, les jeunes, pour développer ce secteur-là. Ça small medium enterprise là pour développer et ben là ici enrichir et nous avons nos bonnes compagnies locales quand ils restent dans nos pays ils restent pour nous et moi penser que nous besoin promouvoir sustainable tourism en d'autres mots tourisme touriste durable. Touriste durable c'est une façon de faire quand nous diminuer toutes nos bonnes dépenses et augmente tous nos profits et sans endommage nos environnements naturels qui pour aider nous-mêmes enrichir nos pays. Et ça, ben, small medium enterprise là, nous besoin de développer ça pour nos peuples, pour nos jeunes et nos futures générations. C'est ça qui, moi, personnellement, pensais l'eau touriste. Et moi, j'ai envie d'ajouter un autre petit point encore concernant la sécurité sociale, comme mon collègue Mohamed fin de causer la santé. Sécurité sociale, il concerne 5 branches très importantes. Nous cause maladie professionnelle, nous cause injury at work, nous cause une protection familiale, nous cause pension et nous cause maladie vieillissement. C'est 5 branches plus importantes qu'on nous cause sécurité sociale. Alors, là, je pense que nous avons besoin de revoir ce système-là et amène un nouveau amendement que l'IPU fonctionne plus bien. Qui fait que l'IPU fonctionne plus bien parce que quand je fais la différence, comment ça fonctionnait en Europe et comment ça fonctionnait à l'île Maurice, est tout à fait différent. Il y a vraiment une grande différence que nous trouvons et une défaillance qui ne se fait pas marcher. Et la cause, ça me dit et me pense qu'il pouvait amener un nouveau amendement, amener un changement. Et pour Movin, plus en détail, l'eau, ça va 5 branches, 5 main points qui m'ont fait dire la sécurité sociale là, dans une prochaine vidéo, je vais venir avec tout en détail. Un dernier point qui m'a envie d'ajouter, en tant que jeune, mon message vraiment très important et fort à nous, Banzénès, l'île Maurice. Zot, Banzénès, Zodi. C'est Zot. Futur dans votre main. Zot futur dans votre main. Zis dans votre main. Zot qui besoin d'un exemplaire pour génération à venir et qui future génération capable de suivre Zot. C'est Zot qui bien ça un exemplaire là. Zot je donne l'exemple pour future génération suivre Zot. Moi personnellement, je suis joindre ULD, Union des peuples diaspora mauricien, pour travail, pour l'intérêt. Mon pays. Aujourd'hui, moi, si moi ici, je suis quitté aller par obligation parce que je n'ai pas fini de gagner mon sens. Mon travail, mon jeune ULD, pour mon travail, pour l'intérêt de mon peuple. Alors, je suis moi, invite autres aussi, jeunes, pas hésiter, pour venir faire aux place avec ULD pour travail, pour l'avancement au pays et au peuple. Avec ULD, Union des peuples diaspora mauriciens, où on a eu l'occasion de montrer aux compétences et exprimer ou librement et pour travailler pour notre peuple, pour donner un coup de main, pour l'avancement du pays. Voilà, c'est ça l'appel qui m'a pour faire. Oui. À la Kevin, moi, j'ai une question pour vous. Vu que vous êtes un entrepreneur, et oui. On a business dans Maurice, enfin, on était dans Maurice, comment a été tout ça là? Qui on trouve Vitesse qui peut faire une compagnie dans l'Italie, Vitesse pour faire une compagnie dans Maurice. Comment on trouve ça?
comment ça passait dans l'Italie? Parce que je connais le Danemark, il fait beaucoup vite. Il a beaucoup d'affaires au café depuis la case, pour faire accompagner tout. Comment l'été goûte? Comment on trouve sa différence? Ça veut dire si une pécose pour faire un compagnon, pour enregistrer un compagnon. Et mon bien dire là, mon bien comprendre. Oui, enregistrer un compagnon. Faire comme un Wenzel ou bien faire un business ou faire un compagnon. Parce que beaucoup de Maurice, demain, prend trop beaucoup de temps, il est compliqué. Comme entrepreneur dans l'Italie, je ne peux pas dire qu'Italie là, mais je pense la plupart dans les autres pays, l'Europe. L'Union européenne est presque pareil, je pense. Et ou capable d'ouvrir une compagnie online. Voilà. Sans aucun problème, sans wall mettre la quai, sans wall payer du monde pour faire au travail, sans supplier du monde et mamou, tcha-tcha, monsieur, rendre un service, sans donner un bribe. Ou faire au travail online, ouvrir une compagnie, ouvrir un entrepreneur, ou payer aux taxes. Mais où est-ce que association, une société qui donne un coup de main, ou jeune, il donne un coup de main. Il fait tout pour vous. Il enregistre les lits de nous dans une semaine. Oui. Maximum une semaine ou 20 compagnons en tant qu'un entrepreneur et où commence à fonctionner. Mais assiste à Maurice, tant que nous passons ce système bureaucratie-là, sa bureaucratie-là, tant que pas changé, nous les paie pour souffrir. C'est ce qui nous ne pouvons pas changer ça. Au lieu d'un du monde dans un jour, dans la carte, il n'a pas fini de créer son compagnon. Parce qu'il dit même qu'il faut créer job. Exactement. Il faut créer travail. Oui, Mohamed, je vais vous finir la vous dire. Yes, mon écoute, que c'est pour la raison qui me dit nous devons vraiment, vraiment investir dans l'informatique. Vraiment, l'écœurant qui, ou bien la fin des mois, ou bien attendre une semaine, ou bien attendre deux semaines. Et comment Kevin finit de dire, right? Ah, et tu connais quelqu'un, tu n'as pas connu quelqu'un, si vous prenez un contact, vous ne travaillez pas moi aussi. Ça, c'est une affaire qui nous peut casser. ULD, si vous permettez-moi de dire, avant qu'il ou de dire, Siram, vous permettez-moi de dire, hein? ULD permet de vraie indépendance. Nous avons l'indépendance avec l'Angleterre en 1968. Vraiment, nous avons l'indépendance? Non. Nous restons toujours dépendants de système, le contact. Nous avons connu depuis l'année 68 jusqu'à ce temps-là. Tu connais-t-il? Tu connais-t-il qui a fait un démarche pour moi? Tu connais-t-il qui a fait un tracement pour moi? Qui est capable de faire un travail? Donc, nous, dans ULD, nous pouvons venir nous pour éliminer ça. Nous pouvons donner le peuple de l'île Maurice sa vraie indépendance qu'il méritait là. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Continuez, vous. Merci. Kevin, on finit, pose tout, on a tout. Pour moi, terminer, moi, j'ai envie de dire en mots bien simples, en généralité, nous amènent la méritocratie dans nous, Tizil. Méritocratie. Si ou un entrepreneur ou une envie à ouvrir une compagnie, ouvrir une compagnie sans problème, sans backing, sans contact, sans payer, sans rien, parce que ou jeune qui peut créer l'emploi ou peut enrichir la caisse, les PEP ou peut enrichir nos pays. Et ça, mon remercie d'autres. Et ça, maman promet d'autres, les PEP, toi, tu les investis dans 24 heures. Pour faire toi, pour ton compagnon, et nous donne-toi l'argent, elle développe ton business, ton créer travail. À ce moment présent, d'autres, un autre camarade, moi, les autres, des autres, nous bisavons du monde qui a la terre en bas de zone. Et sa camarade-là, il a presque même l'argent. Bon, il vient un grand PC à Lagon, dans les Nords, au dos, et il compte tout qu'elle travaille. Il survive, il vient, quoi appelle ça? Il pas venu rester en place, il struggle, il fait son carrière dans le Canada et aujourd'hui, il peut venir à nous. Il comprend, il y en a une idée, qui manière nous capable de développer sa région pour créer
son propre système quand nous vous donne pouvoir ban chef village vous autres maîtrise tout ban affaires dans autre endroit pour les dev causer et les capable expliquer un peu qui manière nous capable empower ban président village council et qui bénéfice ça pour la société. En même temps, Dave, il connaît beaucoup, ça fait la peste, il connaît la mer pour d'eau, sa région-là, comment ça évolue, tout ça. Là. Je laisse Dave poser. Merci, Siram. Et mon père, merci, le groupe ULD qui fait de bon sens pour causer. Moi, je tiens PCA dans Maurice, dans l'année 80. Et moi, je viens de causer qui économie blé ou un spécialiste d'économie blé, je viens de commencer à suivre vos vidéos. Quand on vient dire qu'il est capable de développer la mer là. Et ça, la mer là, capable d'amener valer et capable d'amener manger pour ça, l'île Maurice là. Et tout ça, du monde là, capable de vivre bien, facilement. Nous, la mer bien. Bien sûr, moi d'accord. Tout bien sûr. La mer, elle est bien riche. Et moi, comment moi, NPC, même pour moi, pour deux mots, dans les années 80, 70-80, ça va être bassin là, tu peux nourrir nourri poisson pour ton. OK, quand young farmers, tu peux occuper ça. Et ça va être gardien là, c'est que tu peux gardien. Ça va être réservoir. Parasoir. Parasoir là. Vous connaissez ça, je vous dis, tu peux nourrir canard, tu peux nourrir poule, tu peux nourrir cabri. Et tout ça, c'est un produit organique qui est longtemps. Je vous dis tout ça là, zéro. Parasoir là, puis importe. Non, rien. Et c'est tout ça, c'est une usine là. Il y a beaucoup de politiciens. Beaucoup de politiciens bloquent le parasoir. Oui, c'est ça, mais. Papi produit un anier. Combien de gens sont capables de gagner la vie de ce monde? Beaucoup de gens sont capables d'occuper, de gagner un travail, de sécurité, manger, produire tout, mais d'autres zéro. Puis il y a un qui peut rapporter. Et au fin de dire qu'il y a une économie blé, il peut amener marché, il peut amener travail. Et 1,2 million de gens n'ont pas beaucoup ça. Et guette-nous la mer qui grandit. Nous, un petit point, un petit l'île, et guette-nous la mer qui grandit. Et vous connaissez qualité économique, nous capable faire tout ça du monde là. Tout ça du monde là capable gagner la vie bien. Définitive. Vous connaissez ça. Définitive. À cause ça, moi, je finis sur vos bonnes vidéos et je fais envie de follow ULD. Donnez-nous un coup de main. Et nous capable de travailler. Et moi, j'espère que les PCA, tout ça là, connaissent qui m'ont fait causer. Ils ont la mer, les bien riches. Ils n'ont pas fait gagner ce qui m'ont fait rôder. Oui. Bon. Mais Dave, où tu peux dire à moi, ça va nous faire président village, vous donnez d'autres powers, d'autres listes de pouvoir. Oui, exactement. C'est l'idée, ça. Tu as content oui, un président village. Ah. Un président village, il vient d'un power, par exemple, un premier ministre, pour son endroit. Parce qu'il il y a un président pour son endroit pour environ 2000 du monde. Il vient connaître qui peut passer de son endroit. Si nous donnons ce pouvoir là, si nous donnons ce power là, tout l'endroit pour contrôle correctement. Parce que le président là, vous connaissez qui c'est là qui peut travailler dans cet endroit là, qui c'est là qui peut manger dans cet endroit là, qui c'est là qui peut dans la case, qui c'est là qui peut faire un travail magouille, qui peut le coquin à soi, qui peut le. Vous comprenez là? Ça veut dire que le président qui peut le rapporter dans la station de la police, et tout l'endroit, il y a un village council, il y a un social center, il y a une station, tout est là. Nous, il y a un dispensaire. Vous comprenez? Si tu as un dispensaire là, mettez un docteur même. Mais ça va dire qu'il n'y a pas nécessaire pour lui. Ils sont capables de faire de traitement ouais. Pour dormir. Vous comprenez, on a fait tout électronique, comme Mohamed, tu peux dire. On doit faire l'idée. Parce qu'en même temps, s'il y a un crime qui est arrivé à cet endroit-là, s'il y a un vendeur de la drogue, tout ça, là, il est capable d'attaquer dans la côte son racine. En place, exactement. Parce que le monde pour dormir, il connaît. Il connaît sur l'endroit, comment se cinq les doigts. Le président-là, il connaît sur l'endroit, comment se cinq les doigts. Qui peut passer, qui pas peut passer, qui draine, qui bousse, qui ça là qui peut être salté, tout ça, tout ça là dans la main. Donne-lui son valet, donne sa présidence au valet. Parce que sa présidence là, si vous permettez-moi de rajouter sa mentalité, oui. Sa mentalité, écoute, Dimundi, Ingenlo, depuis là, haut là, bisez, tiens ça. Bisez, donne sa présidence là, ce droit dans ce endroit. Et vous dire, l'Odeng avec président, on va vous dire, Ingenlo, depuis là, haut. Exact. Pendant combien de bananes, nous peut rester en dire l'autre depuis là-haut. A vini, B vini, C vini, l'autre vini, allez vini, l'autre sont depuis là-haut, fatigué. Peuple de l'île Maurice, il est fatigué avec ça. Moi, je suis fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué.
Mon pensée, ça fait l'autre depuis là-haut, là, samedi, ce travail, il dit pour connaître comment vous pouvez faire ça. Samedi, vous connaissez. Allez, vite, un nouvel aspect qui nous pour travailler, comme vous dites, quand nous pour faire la police, le système vient indépendant. Ça veut dire que personne ne va pouvoir faire ce travail. Personne ne va pouvoir faire ce travail. Du pays n'a pas pour même là-haut. On prend la rouille là. Parce qu'ils ont besoin de l'indépendance. Que, d'ailleurs, je reste dans différents pays dans le monde, je trouve que un policier qui travaille. Il n'a pas besoin de prendre un mission pour lui faire une affaire. Il connaît ce travail. Il connaît, il a assez l'esprit de la loi et ce propre esprit, comment il peut faire ça fonctionner. Et pour ajouter un petit bout de ce qui. Devin Gia, par exemple, Ban Sef Ban Village. C'est même que la community policing les rend en place. Exactement. C'est-à-dire, voilà. Le secteur privé, secteur public, Ban ONG, Ban Force Vive, Ban Centre Social, ils tout travaillent ensemble pour mettre propre dans notre propre secteur. Et la police ensemble, ils pourront ensemble. C'est quand nous disons community policing, ils parlent ensemble, ils prennent une bonne causerie, et même les enfants pas coupés, pas trop sains policiers, même les gens qui peuvent trouver un crime, ils connaissent un appel de la drogue, ils pas coupés, ils pas sentir l'insécurité, si ils disent ça, ils ont un coup de balle, soit ils ont coupé, ils mettent une balle, ils dans la mer. Mais ça, là, c'est un the whole mechanism. Ils ont mis en place. The whole system. Le système là, nous pour travailler là, il y a un travail assez dur, mais il n'est pas impossible. Parce qu'il y a un impossible. Il y a un grenage depuis 20 ans, il a. C'est nous qui pour. Ce qui est important dans nous, l'équipe, nous avons une vision, nous avons un système qui n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas juste causer, dire ça, pas bon, ça, bon, ça, pas bon. Nous pouvons amener une solution. Nous peut amener la technologie, nous peut amener la connaissance qui chacun de nous, il prend des années pour gagner. Nous peut donner ça, offrir ça gratis. Et moi, ajoute-moi avec Chetty, quand l'Indien affaire, ça sent ça pas pour gagner encore ça. Pas pour gagner encore ça. Chaque du monde compte ce confort, il compte à quitter un pays, il aller. C'est ban du monde qui a l'équerre, qui a envie de venir. J'étais un l'équerre pour le peuple mauricien qui a envie d'amener un changement. Changement pour le meilleur. Changement pour futures générations. Changement pour les gens qui ne sont pas sentis en sécurité. Je peux sentir, je peux vivre dans l'Europe, mais je suis dans Maurice. Même sens qui ces enfants-là, ici, peuvent gagner, ils sont capables de gagner. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement, ils sont guide sur les peuples. Le gouvernement, ils sont protégés sur les peuples. Le gouvernement, payé par les peuples. Et c'est le service qu'ils sont faire. Dave, on a qui sont pour ajouter? Ah non, mais pour bien se retenir un petit moment d'être minutes. Pour un empêchement là. Bon, pour causer, on a beaucoup pour causer. Et moi connais ça la mère la même qui est capable tient nous de sa bise là. Et moi quand la population connaît ça, la population au courant de ça. Nous ne pas connaît nous la mère qui grandit en vérité. On connaît nous la mère bien grand et on a beaucoup valeur. Mais tu parles de développer. Tu te fais vanli. Où connais-vous? Maman dit arrêtez avocat, docteur, viens faire un rôle administrateur. Nous avons du monde qui comprend le travail. À cause de moi, je suis un PC, comme on trouve, et cause de l'économie blé, la lame qui monte comment suivre. Je me dis non, ça, bizarre. Et tout le monde, camarade PC, en travers, Maurice connaît, qui nous peut causer. Moi, je dis une affaire à le peuple. Pour croire dans la participation de tout un chacun. Comment c'est une cause, ça n'est pas une cause community policing, je m'oublie comment dire ça. Mais je believe que ULD, c'est le seul gouvernement qui peut venir, qui peut un gouvernement que le peuple peut participer dans l'avenir. Puis la roule ensemble. Ce n'est pas moi qui assise là après derrière. Je dis, hein, tu fais ce qu'il me dit, tu fais, c'est tout. Qui fait mon âme, mon accès de ULD, parce que Siram, c'est un leader qui peut écouter. Il y a l'écoute. Il n'est pas dictateur. Merci. Pas impossible. Là-bas, il y a. Là-bas, vous pouvez. Première fois, moi, mon misère, je Siram, non, pas d'accord au Siram, non, mais écoutez. Mais je connais les autres.
qui te connaît, toi? Quelle expérience tu as, toi? Mais non, nous un groupe de jeunes, dynamiques, et nous là pour écouter où? Ou envie de nous qui chose? Ou demande-nous? Demande-nous. Cause avec nous, nous à l'écoute. Après, moi, mon n'a pas peur, dis-moi, pour prendre portefeuille premier ministre, mon n'a pas peur pour donner samedi au ministère de la sécurité de l'intérieur. Il fait parce que nous l'avons propre. Nous n'avons rien pour cacher. Nous n'avons rien et nous pour rentrer propre, nous pouvons sortir propre. Ça m'a dit où tout le temps. Une philosophie. Oui. Nous arrivons. Un dernier mot pour dire tout le temps, nous win-win situation. Nous, nous, quand nous étions, moi, mon fini qu'à 58, pour moi, bientôt, nous ne pouvons pas retraiter. Nous gagnons, nous perdons, nous pourrons miser même. Win-win. La décision des peuples. Les peuples qui vous décider. Exact. Moi, mon fini, moi, vous donne les peuples un plime pour élection, avant élection. Je prends sa plime là, vous allez créer votre destin. Joli conseil. Je suis une l'occasion, je saisis ça l'occasion. À ce moment pour clore l'émission pour aujourd'hui, mais Kevin, nous avons fait pour ajouter. Vous dire quelque chose? Oui, vous avez ajouté une affaire bien intéressante, importante. C'est que Mr. Dave et que Mr. Sandeep Findia, quand nous sommes ce système-là, nous sommes ce mécanisme-là, quand on a fini au courant, qui se fonctionnement dans sa village, dans cet endroit-là? Crime supposé arrêter automatiquement. C'est ça. C'est un système que le crime vise à arrêter automatiquement parce qu'il va là pour peur. À ce moment-là, personne ne va peur. Parce que si je te fais, comment dire, comment je t'envie, comment je suis dans la case, je te fais ce que je t'envie. Rentrer coquin, rentrer vendre la drogue, rentrer. Et nous, nous donnons d'autres à l'idée là. Le gouvernement ou les prendre, nous pas peur pour nous autres l'idée. Et l'idée, je suis capable de prendre. C'est un système qui peut arrêter automatiquement parce qu'ils te connaissent pour le tasser. Et un erreur de fait, je te le tasser. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Moi, tu peux clore nos émissions aujourd'hui, mais avant ça, moi, tu peux te faire dans l'Aisne, il y a l'endroit appelé Manipur. Dans Manipur, tout le temps, depuis des générations, les politiciens finissent dans le cas, finissent des votes. Finalement, ils finissent habitué. Les électeurs, je dis aux politiciens, c'est qui payait nous voter. Tu payais nous voter. Tu pas payé, tu pas voté. Tu pas voté toi. Les autres qui sont arrivés, c'est qu'un criminel, un vagabond, mangeant la drogue, ça va là qui peut élire là-bas. Quand du monde honnête, quand du monde honnête qui pas payé, ben n'a pas gagné vote. Jamais dans sa manière pour là, pour élire, ça va du monde honnête là, quand du monde qui voulait faire un travail pour notre pays. Et Nazis, vacabon, criminel, qui peut élire, parce qu'il t'a payé mon vote. Les peuples, sans aimer, l'air pour réfléchir. Sans... Au nom de l'équipe, nous souhaitons à tous une bonne soirée et nous espérons que sa malade là disparaisse plus vite et nous capables de retrouver les jours. Parce qu'il nous connaît une situation pas facile. Merci et à la prochaine.